that's the reason why I'm here, because in the Netherlands you don't have this kind of conditions. I was a few days before the race here, so I can get used to the track. This is our holidays, and we like to do the holidays together. Then we used to participate in stage races together. En catégorie duo, nous, on est limité par un écart de 30 secondes maximum entre nous deux. Il n'y a pas de pression à se mettre. On va essayer de rouler régulier et essayer de se compenser en fait l'un et l'autre sur toutes les difficultés du parcours. Il faut se dire qu'on est parti pour une grande randonnée dans des décors somptueux. Take it easy, comme dirait les autres. L'épopée transmaurienne continue. Une deuxième étape sur le papier plus longue que les autres, 65 km pour les plus vaillants et les plus vaillantes, 2000 mètres de dénivelé à monter et descendre, à travers quelques-uns des plus beaux villages de France, le tout dans le plus grand domaine cyclable du monde, avec une course devenue internationale. La bagarre est féroce mais belle quand même, puisqu'ils sont quatre dans un mouchoir de poche à chaque jour aller se titiller les uns les autres. Je pense que jusqu'à dimanche après-midi, on ne va pas savoir qui va gagner, et c'est ce que nous a dit aussi Marc hier sur le podium. Le maillot jaune, c'est bien de l'avoir aujourd'hui, mais ce sera dimanche soir qui sera important. D'être UCI, ça apporte de la renommée à l'international, et ça change aussi le niveau. On le voit clairement que ce niveau, chaque année, il grimpe, on découvre l'épreuve via ce classement UCI, mais on peut venir du coup se dire moi je vais faire une petite rando là-bas, du coup je vais voir les gars rouler les élites, et puis c'est cool parce que je fais aussi du sport et je découvre un paysage tout en voyant des stars rouler. Le mot-clé du jour pour l'immense majorité des participants sera le mot plaisir. Nul doute que vous, comme eux, ne pourront être qu'en extase devant les contrées traversées. Pour faire un point tête de course chez les hommes, difficile de prédire qui va faire la différence. Un quatuor de tête est à la bagarre, le maillot jaune est sur les épaules de Marc Stutzmann. Derrière lui, une poignée de secondes sont à l'affût de la moindre défaillance. Olivier Zurbrugge, Joseph De Porter et Hugo Briatta. Depuis le premier jour, nous assistons à un combat sportif hors norme entre quatre pilotes. Rien que pour vos yeux. J'aime bien là, il y a des belles montées. Vraiment magnifique. Se sont toisés toute la journée, attendant le moment propice pour faire la différence, mais c'est bel et bien quasi groupé qu'ils vont franchir la ligne d'arrivée, le meilleur espoir devant le maillot jaune du gros niveau. Une victoire d'étape, ça se refuse pas. Je savais que lui, il gérerait vraiment pour le général, donc je me suis dit, j'ai peut-être une petite chance d'essayer de l'avoir, et bah voilà, j'ai tout donné et c'est passé. In the downhill, Hugo, he catch me. And then I lost the sprint, but I'm happy. Puis moi, j'ai essayé de limiter la casse. Aujourd'hui, je prends 30 secondes. Bon, voilà, c'est comme ça. Franchement, là, je pouvais pas faire mieux. J'étais vraiment à bloc dans la dernière ascension. J'ai tout donné. Côté filles, l'incroyable Margot Moschetti, vice-championne du monde espoir en cross-country, surclasse la concurrence. De quoi en roucouler de plaisir. Il se passe toujours quelque chose de grand sur la Transmaurienne, même quand la course est terminée. Pour faire vibrer de bonheur les grands et les petits, on peut compter sur le team Acrobike. Du trial festif, un show quotidien spectaculaire à admirer. Il reste maintenant deux étapes à courir. L'aventure Transmaurienne 2017 continue.